YouTube! L'autre jour, il y en a un qui m'a fait un commentaire, ça, Gabi, sur je pense que c'est Sheeran, ou je me souviens plus son nom. YouTube! Ouais, c'est ça, je suis de retour. Yannick, Motivation Academy, My Chilling Spot, encore dehors. Moi, j'aime faire mes vidéos à l'extérieur, là, c'est sûr. Ah ouais, give thanks for life. We are alive. Je dis merci à la vie, c'est important. Moi, je serais pas ici pour être vitam aeternam, là. À un moment donné, ils vont me mettre dans le ground, puis où ils vont me brûler, puis mais je vais vivre ensemble. Je vais retourner dans la nature, tu sais. Fait que pendant que je suis en vie, puis j'ai un cœur qui bat, puis que j'ai de la vie, puis que je suis en santé, ben, je dis merci à la vie, puis je viens partager l'inspiration que j'ai dans mon cœur. C'est juste ça que je fais ici. C'est ça. We fool ourselves into thinking that things must be perfect before we release our art into the world, when the clear reality is we're just too undisciplined to get things done. Ça, là, c'est vrai. Souvent, on pense, on attend avant de relâcher notre art vers le monde, OK? Parce qu'on, comme il dit ici, quand en réalité, on est juste trop indiscipliné pour faire les choses, pour accomplir les choses. Beaucoup, moi, je vous l'ai dit, là, ce que ça prend, c'est de la discipline puis l'intention. C'est pas facile de vivre son rêve. Hey, c'est vraiment pas facile, là. Premièrement, tu vas perdre de l'argent, là. Tu vas perdre du temps, Hey. C'est pas facile, là. C'est vraiment pas facile de sortir de Babylone de cette façon-là, de dessiner ton propre... demandez à tout... Moi, j'ai plusieurs chanteurs reggae alentour de moi, puis... Il y en a beaucoup, là, tu sais, comme Perfect Guidi Mani. Il y a 10 albums, 2 EP, 800 singles, puis il me dit qu'il essaye encore, tu sais. C'est pas facile, là, être indépendant de Babylone, puis de pas être à la solde de Babylone, puis bâtir un empire. Tu sais, parce qu'il faut pas oublier ces gars-là. Faut que ça travaille. Tu sais, c'est sûr que comme... Perfect Guidi Mani, je prends comme exemple. Lui, c'est une carrière, tu sais, c'est une carrière qu'il veut bâtir. C'est pas juste un one-time tune. Là. Fait que c'est pas facile vivre ton rêve. Mais quand par exemple tu commences à embrasser la vie, puis tu donnes ton maximum, puis tu vas dans l'action, puis tu fais juste être toi-même, tu sais, t'as pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre, t'as pas besoin d'être parfait non plus pour commencer quelque chose. Ça, c'est un mensonge qu'il faut être parfait, c'est un mensonge. Parce qu'il y a pas personne. Moi, j'ai jamais. Tu sais, j'ai commencé ça là, avec mon téléphone dans ma cour chez nous, là, tu sais. Fait que, puis encore là, j'ai même pas atteint. Je fais juste commencer à scratcher la surface de mon potentiel, là. Je sais très bien que j'ai beaucoup plus à offrir. Mais je me donne les moyens aussi pour offrir. Tu sais, quand on se donne les moyens, on a tellement à offrir, là. Tellement à offrir quand on se donne les moyens. Mais il faut se donner les moyens. Tu sais, faut y aller dans l'action. Tu veux réaliser quelque chose, tu veux parler comme moi sur YouTube, vas-y, prends ta caméra, ton téléphone, commence. Who cares what people think about you? Tu sais, c'est ça qui arrête la plupart des gens, premièrement, de faire des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il faut pas que tu le fasses, comme j'ai dit souvent, pour les subscribers, puis parce que tu vas la première année, tu vas faire des vidéos, il y a pas personne qui va te regarder quasiment, là. Moi, les premières vidéos que j'ai fait, il y avait pas grand monde qui regardait ce que je faisais. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus, mais même là, c'est minime. Fait que tu peux pas, tu sais, faut t'en fasses, puis tu sais, faut que tu parfais ton art aussi, là. Tu sais, c'est pour ça que j'en fais beaucoup des vidéos. Moi, je suis très bon, j'ai un très bon verbomoteur, là, je sais quoi dire, mais je veux dire, il faut quand même que je fasse mes devoirs, puis que je m'élève, puis que je m'élève toujours plus haut. Puis ça, c'est en faisant des vidéos, c'est en faisant, puis... Tu sais, c'est le momentum aussi, quand tu pognes un momentum, là, c'est important aussi de pogner le momentum. Tu sais, quand tu commences à vivre ton rêve, puis tu t'embarques dedans, là, à un moment donné, tu pognes le momentum, puis tu le fais sans effort, ça devient effortless. Regardez, je suis dehors 8 heures quasiment le soir, là. Pas il quelle heure, là. Mais il fait noir, puis je suis dehors en train de faire des vidéos, tu sais. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est effortless. C'est effortless, mais...
Aussi, j'ai fait un travail sur moi-même, comme je vous expliquais, qui est primordial. Pour arriver qu'à. C'est sûr, le but de notre existence, c'est de s'ouvrir le cœur, mais c'est aussi de s'émanciper. T'sais, pourquoi qu'on est mis ici dans ce système-là, tu sais? Moi, c'est ça que je me demande souvent, tu sais. Parce que. Vraiment, c'est. Il y a un but à notre existence. Là. Il y a un but à notre existence. C'est sûr, c'est de prendre. Tu sais, l'autre jour, je lisais quelque chose. Moi, je suis tellement, tellement convaincu que si on. Tu sais, le Créateur, là, quand il a créé le rêve de la vie, bien, quand il a créé ça ici, il y avait une très, très bonne intention en arrière. Il n'y avait pas une intention satanique. Là. Fait qu'il y avait une intention divine. Bien, c'est ça qu'on est. On est des êtres divins. Puis du moment qu'on se réveille à notre divinité, bien, c'est là qu'on commence à agir plus comme des créateurs, des co-créateurs de la réalité dans laquelle on est. Moi, je suis persuadé que écoutez, je ne sais pas si on peut créer des lacs et des montagnes et tout ça, là, mais peut-être qu'on l'a juste oublié. Peut-être qu'on l'a juste oublié parce que je vois pas personne d'autre que nous ici. Puis peut-être que le Créateur, c'est ça, il y a eu un rêve, ils ont créé ça ici. Who knows? Peut-être que ça a tout le temps été ici aussi. Là. Peut-être la Terre a tout le temps existé. On sait rien. On pense qu'on connaît beaucoup de choses, mais on sait rien. On sait rien. Ben moi, en tout cas, je parle pour moi. Là. C'est sûr que, écoute, mais tout est tellement mystérieux. Mais c'est parce que c'est ça. C'est que c'est ça la beauté de la vie, c'est qu'il faut découvrir un petit peu. La vie, c'est mystérieux, là. Mais si tu. C'est mystérieux si tu te donnes la peine d'expérimenter le mystère, là. Tu sais, si tu dis pas merci à la vie, puis tu fais jamais rien, puis. You don't do nothing with your life. Very easy to fall into nonsense. Tomber dans le non-sens, là, tu sais. Regarde, gars. Là, il fait pas mal noir. Je pense pas qu'on va continuer ça toute la soirée. Là. Comment ça fait frais? Tu aurais dû amener Mathieu. Tu aurais dû faire. Mais au moins, mon livre il est surligné en jaune. J'en ai pas si pire. We lie to ourselves, break our own resolution. Ça, là, on le fait tellement. Hein? Tellement de résolutions qu'on prend, pas juste au jour de l'an. Des résolutions, on en prend beaucoup, mais on les brise tout le temps. On brise notre intégrité, notre résolution, nos résolutions, on brise tout. Our dreams to slide away without grasping at them. Tous nos rêves s'en vont au vidange. Sans même qu'on essaye de faire de quoi. Hey, là, je vois plus rien. Là. 8 minutes. Il va falloir que j'arrête, je vois même plus de temps sur la caméra. Ou peut-être que je vais me pogner un spot plus à la lumière là-bas. Ouais, peut-être. Je vais en faire un ou deux autres. It is not clear to us that we can be our own worst enemy. Ça, c'est du moment aussi que tu commences à. Que ça commence à être clair pour toi que ton propre ennemi, c'est toi-même. Il y a beaucoup de choses qui vont faire du sens, là, qui vont. Premièrement, que tu vas t'éveiller, hein. Anyway. Oui, il y a beaucoup de choses qui font du sens pour moi, là. Mais, c'est ça. So guys, I'm letting you go. I'm out. I'll be back eventually. Éventuellement. I'm out. Bless up. Allez, peut-être me pogner un spot à lumière. I'm out. Bless up.